Bonjour, bonjour à toutes. Toujours avec grand plaisir que Miro Toisot pour parler de cuisine, notre pays, La Réunion. Aujourd'hui, on va faire une petite poitrine fumée avec pommes de terre. Donc, c'est un plat qui est très, très simple à faire, facile, pas cher et à la portée de tout le monde. Alors, pour commencer, là, on va pas utiliser trop d'huile. Hein. D'habitude, tu me mets un petit peu d'huile. Bon, on va ajouter l'huile, comme ça, tu vois là, au fur et à mesure, quelques gouttes, là, juste pour faire prendre la friture sans plus. Hein. Pas trop ajouter d'huile pour cette recette-là, vu que la poitrine fumée liée déjà assez gras quand même. On va faire revenir ça dans une grande marmite, hein, comme vous y voyez là sur l'image. On m'y rappelle aussi qu'il faut essayer de trouver de la poitrine fumée, les frais dans des endroits où ça y vend vraiment de la bonne qualité. Parce que souvent, la poitrine fumée, quand on l'a achetée, ils sortent en dehors, ils sortent du côté d'un pays, on ne connaît pas trop où ça ils sortent. Et elle n'est pas trop gaillard, bien regarder la date que Nina a dessus. Hein. Et puis, les affaires n'est pas trop rose comme Nina, s'il est un peu blême ou un peu noir, évite de prendre parce que là, il veut dire où elle est déjà fatiguée ou sinon ça, que comme on a fait ou de la promotion sur ce produit-là, elle est vraiment bas, la date limite, elle est juste. Il ne faut pas prendre, hein, donc sinon ça, on aura un mauvais goût dedans. Après, il faut aimer la viande que les faisandés, hein, donc moi, m'y préfère faire de la qualité. Voilà. Là-dedans, nous va ajouter des oignons, comme vous y voyez là. Nous va laisser à lui prendre, hein, l'huile m'a mettre très très peu. Souvent, m'y mettre beaucoup d'huile dans les bonnes carrés. Enfin, beaucoup d'huile, c'est 2 à 3 cuillères, hein, des fois 2 cuillères, des fois 1 cuillère. Ben là, cette fois-ci, il m'en a voulu faire 100, parce qu'il y en a pas mal de personnes qui disent, mais ils mettent l'huile, FN sans l'huile. Voilà, avec sans l'huile. Bon, ben là, déjà, elle est assez gras quand même. Ça, tu peux faire aussi le boucané, ben, sans l'huile, oui, mais là, comme il voit là, il faut ajouter quelques gouttes quand même, pour pas que les oignons, ils fument trop, ils deviennent cramés. Hein. Alors, nous tournons à lui bien, comme ça, tu vois là, nous mélange bien. Et dans la cuisine réunionnaise, les plats, la durée de la recette, là, comme ça, tu vois là, en général, il fait 2 à 3 prises, pas plus. Et c'est quasiment en temps réel. Hein. Donc, la poitrine fumée, quand elle a fini de bouillir, il faut compter une dizaine de minutes à peu près pour faire bouillir ça, couper en petits morceaux comme ça. Et après, il faut à peu près, pour la sauce tomate, à peu près une quinzaine de minutes, hein, prendre le temps. Hein. Donc, entre 25 minutes à 30 minutes, quasiment, on a notre curry prêt sous la main, prêt à être dégusté. M'a ajouté un petit peu de l'ail, un petit peu de poivre dedans et m'a ajouté aussi 2 petites tomates ou une grosse tomate. Il faut un petit peu. Dans la région, on va dire moi comme ça que quand tu fais la poitrine fumée comme ça avec pommes de terre, les autres, ils ne mettent pas de tomates. Bah non, mais on va y mettre une petite tomate. C'est la tradition. Donne tant longtemps, là, prendre à moins faire comme ça. Donc, il fait profit à Zot un petit peu de ce que maman a appris. Alors, nous fait bien revenir, comme Zot y voit là. Et après, Zot y voit que la marmite, il fume un peu. Hein. Alors, il ne faut pas prendre n'importe quelle marmite pour faire ça. On a pris une marmite en fonte. Hein. Donc, même que lui fume, il ne brûlera pas vraiment trop les affaires. Contrairement à une marmite en aluminium ou sinon ça, une marmite des nattes téflon dedans, tout ça, là, ça, il risque de cramer et dangereux pour la santé. Les pommes de terre, on l'a rajouté comme vous l'avez vu là. Mis tout en alu bien mélangé comme qu'il faut. Et là, il va ajouter un peu d'eau. L'eau pour ce type de curry là. Il faut ajouter à mi-hauteur, hein, environ jusqu'au couvrir la viande et les pommes de terre. Zoti baisse un petit peu le feu dedans. On va ajouter un petit peu de curcuma à la fin. Hein, donc il faut ajouter un petit peu. Des fois, les gens disent non, il ne faut pas mettre curcuma. Mais moi, j'ajoute un petit peu de curcuma. Il faut le rendre de bonne qualité. Hein. Ça aussi, c'est un autre affaire aussi. Si vous n'avez pas trop de bonne qualité, mettre à kama et azote, ça ne sera pas trop agréable. Nous va ajouter ça. Et là, voilà, le petit goutte curcuma en dedans. M'y mélange à lui bien, même comme qu'il faut. Donc, tu vois, ben, lui la rend un petit peu son jus et lui la rend un petit peu sa graisse, là, Léna, avec le morceau de poitrine fumée. Donc, tu vois, la rétrécit un petit peu par rapport au morceau qu'on a coupé. Donc, voilà. Et là, nous va ajouter dans un petit instant un petit peu d'eau dedans pour permettre de cuire les pommes de terre, parce que les pommes de terre, il faut faire cuire. Et puis la poitrine fumée, il ne faut pas manger quand elle est un peu dure, hein. Il faut manger quand elle est bien tendre, même bien quand elle est moelleux, la poitrine fumée, quand on mange ou apprécie bien les affaires. Que ça nous pourrait ajouter en plus là-dedans, hein, nous pourrait ajouter à la fin, nous pourrait ajouter un petit peu de coriandre quand même, la coriandre est quand même pas mal. Soit nous coupe un petit peu les coriandres bien fins, nous roussit un petit peu avec durant son jus, ensemble. Soit à la fin de la cuisson, m'y ajoute un peu de coriandre dedans et m'y tourne.
Un autre affaire aussi, nous pourrait peut-être ajouter dedans, septième, le persil. À la fin de la cuisson, il faut ajouter un peu de persil dedans. C'est un plat qui est déjà assez complet. On en a des protéines, on a des féculents donc, avec le pomme de terre, on en a les épices dedans qu'il faut. Et là, ce que nous pourrions faire, c'est manger à lui avec un bon... il ne faut pas faire en brocal et puis il ne faut pas faire de rougail tomate non plus pour manger avec. À moins que vous veuillez manger du rougail tomate. Mais en règle générale, ces affaires-là, ils mangent avec un petit truc qui est assez acide. Comme par exemple un petit sauce piment bien, avec petit piment martin bien vert, ou sinon ça le rouge, bien écrasé avec un petit oignon, un petit peu vinaigre ou un petit peu de citron, bien écrasé, bien mélangé. Fais un petit sauce piment, ça n'est pas mauvais. Et puis, nous pouvons manger à lui aussi avec un bon rogaï mang, parce que ça n'est quand même pas mauvais du tout. Comme il y a des féculents dedans, ils ne servent à rien d'ajouter, de manger à lui avec du grain ou sinon ça avec des grains, parce qu'il n'est pas bon du tout. Après, si tu veux manger, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein, donc, moi, m'y fais, m'y montre à Zot comment faire. Après, si tu veux que les vraiment riches, voilà. Zot n'aurait pu mettre aussi un peu de piment dedans pour les personnes qui aiment le piment. Bon, moi, je ne vais pas mettre de piment, je vais mettre un petit peu de poivre, pas beaucoup. Parce que le poivre, il y a des personnes, ben, les allergiques à ça. Et puis le poivre, il faut mettre aussi, m'oublie d'azote, il faut écraser du poivre en grain et non pas du poivre en poudre. Poivre moulu, à chaque fois, m'y annonce azote ça. Et m'y revient un petit peu là sur le... Ben, c'est vrai que la poitrine fumée, c'est un peu comme notre boucané. C'est quasiment pareil, mais l'assaisonnement de la poitrine fumée par rapport à l'assaisonnement du boucané, il est différent. Hein. Que ce soit fait à boucané avec pomme de terre, elle aura un goût différent. Que ce soit fait avec la poitrine fumée, elle aura quand même un goût assez différent. Les pommes de terre, il faut que les pommes de terre les cuisent normalement. Il ne faut pas qu'il y ait croquant sous la dent. Il faut que les pommes de terre aient assez cuit. Et il faut éviter de prendre certaines pommes de terre que nous trouvons sur le marché, que les sucrées. Alors si tu fais ça, il arrive moins de prendre des pommes de terre, elles ont un goût doux et arriver à la fin, vous n'allez pas manger du tout. Hein. Comme moi, c'est un plat que les fait logiquement pour être salé et non pas sucré. Donc si tu prends certaines qualités de pommes de terre, bon, bah, garde bien. Quand il n'y a plus que les pommes de terre, elles sont sales en règle générale quand tu les achètes dans le commerce. Moins qu'il est doux en règle générale. S'il est blanc, bien propre, bien clair, même si tu prends ça, il est risquable que tu risques d'avoir des petits soucis avec. Et puis, tu peux mettre la Roseval, hein. Certaines qualités est bon, certaines qualités est mauvais. Voilà la recette, la finie. Merci à Zot. On y retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette.